J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le lire sur le titre, aujourd'hui je reviens avec un DIY. Et oui, c'est le retour des DIY après une longue réflexion et d'après la vidéo que je vous ai faite. Vos retours m'ont beaucoup aidé et ça m'a vraiment donné ce truc. Je me suis dit, écoute, tant que tu sais que tu as des gens derrière toi, c'est le plus important et je ne vais pas m'arrêter comme ça. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer comment j'ai fait cette magnifique perruque highlight entièrement avec des mèches expression. Il y a du volume, c'est vraiment le style de boucle et d'ombré qu'on voit un peu partout en ce moment. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire avec des expressions. Donc voilà. Comme d'habitude, dans la vidéo, je vous ai montré vraiment les parties essentielles. Tout ce que j'ai déjà eu à faire, vous allez, pour les nouvelles, vous allez retrouver les liens dans la barre de description ou encore dans le petit i. Donc sans plus tarder, je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok, donc j'ai utilisé 3 paquets de mèches expression en couleur 4, 2 et 29 que j'ai coupé en 3. Ensuite, j'ai tiré tous les paquets séparément et ensuite j'ai pris chaque morceau de chaque couleur. Et ensuite, je viens mélanger le tout ensemble pour avoir cet effet highlight. Là, je vais venir faire ma closure avec cette tulle 4×4 que j'ai mis sur ma tête à perruque, toujours avec le même crochet. Et voilà, je vais venir accrocher mes petits cheveux. Vous connaissez déjà le processus. Je viens accrocher mes petits cheveux jusqu'en haut. Quelques heures plus tard, j'ai avancé et je continue à accrocher mes cheveux plus finement sur le devant. Donc, je tenais à préciser que moi, je fais ma closure en maximum 5 heures du temps, voire moins, si je suis vraiment focus dessus. En 5 heures du temps, il s'est fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas prédéfini ma raie. Donc j'ai la possibilité de vraiment faire des raies un peu partout sur la closure. Là, j'ai fait mes bandes de tissage. Donc pour les nouvelles, vous allez trouver le lien sur comment faire dans la boîte de description. Et là, ma closure aussi est faite. Maintenant, je vais utiliser ce bonnet-là. Ce que je fais, je prends un crayon blanc et je vais venir tracer des petites lignes qui vont vraiment me permettre de savoir exactement là où je vais mettre, là où je vais coudre mes bandes de tissage. Comme ça, je suis tranquille. Là, je prends ma closure que je vais venir coudre sur mon bonnet. Maintenant que c'est fait, je passe donc à l'étape de coudre les bandes de tissage sur le bonnet. Donc je tenais à préciser pour toutes les nouvelles, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment faire des bandes de tissage comme ça. Vraiment uniquement dédié pour sur ça et surtout comment les lisser aussi. Bon, là je vais pas les lisser parce que dernièrement j'ai fait une vidéo où je disais que c'est plus simple de faire ça comme ça et de lisser une bonne fois que de faire ça à part. Donc là la perruque elle est encore yaki et là j'ai fait le processus du lissage. Donc je vous montre tout ça aussi dans la vidéo que vous avez trouvé dans la boîte de description. Là j'ai essayé de faire des petits baby hairs sur le devant parce que voilà j'ai fait un TikTok sur ça. Donc j'ai aussi pris des photos. Ensuite, pour faire mes boucles, là, je vais faire des tresses collées. C'est le secret pour avoir les boucles que vous avez vues au début. Si vous ne savez pas faire des tresses collées, alors là, ça sera très compliqué. Parce qu'il vous faut vraiment faire des tresses collées. Je ne sais pas si avec des nattes, vous pourrez obtenir le même résultat, mais vous pouvez toujours essayer en tout cas. Voilà. Voilà, donc j'en ai fait 5 bien serrés. Ensuite, j'ai trempé ma perruque dans de l'eau chaude. Et là, ce que je vais faire, je vais venir défaire. Donc, j'humidifie avec mon vaporisateur d'eau. J'ai mélangé de l'eau avec du démêlant que vous allez venir vaporiser sur la natte, puis défaire. Ça va vraiment vous faciliter le coiffage. Je vais défaire partout.
Voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, ces boucles sont vraiment très belles. C'est vraiment le genre de boucle en Z qu'on voit un peu partout en ce moment. Des boucles en mode un peu décoiffé. Et comme vous pouvez le voir, les reflets jaunes sont bien présents. Il y a du volume. On voit bien la petite définition des boucles. C'est vraiment magnifique. J'ai fait des petits baby hairs. J'ai essayé de coiffer parce que j'ai fait un TikTok et j'ai aussi pris des photos pour ma page. D'ailleurs, je vais vous en parler plus précisément dans une vidéo. Voilà. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous allez m'excuser, je filme avec ma fenêtre ouverte. Du coup, il y a plein d'oiseaux. Voilà, désolé pour le bruit. Merci en tout cas pour la force, toutes les personnes qui ont eu à réagir après cette vidéo parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'en avais besoin. Bisous!